Bonjour, je m'appelle Priscille et je viens d'être diplômée à l'École supérieure de soins ambulanciers de Genève. Ce jeudi 7 juillet, sur le site esam.ch, à 8h30, je vous présenterai mon travail de diplôme qui traite de la prise en charge des témoins et des proches des victimes lors d'une intervention ambulancière. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de mon travail de diplôme. Le titre de mon travail est « Lors d'un événement traumatisant, la prise en charge ambulancière des témoins ou proches en état de stress est-elle satisfaisante ?» J'ai choisi cette image sur la couverture de la première page de mon travail de diplôme parce que je pense qu'elle est assez explicite. On peut voir qu'il y a quatre ambulanciers qui s'occupent d'un patient, très certainement un père de famille, et au loin donc sa femme et ses deux enfants. Et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il en était en fait de la prise en charge des proches et de la famille lors d'un événement traumatisant. Avant-propos, donc l'ambulancier doit fréquemment faire face à des situations d'urgence et les personnes sans atteinte physique sont parfois laissées pour compte. Et en fait, c'est un devoir de l'ambulancier de prendre en charge les témoins et les proches de la victime. Les motivations qui ont en fait abouti à ce travail, c'est que j'ai une personne de mon entourage qui a, elle, été confrontée à une situation urgente. Et en fait, c'était son mari qui était en train de se faire happer par un taureau dans une écurie. Il y a l'ambulancier qui est intervenu, puis ensuite son mari a été pris en charge par la RIGA. Son mari souffrait donc d'un trauma crânien cérébral sévère ainsi que des hémorragies visibles sur tout le visage. Et puis en fait, cette connaissance, elle ne s'est pas du tout sentie considérée par les ambulanciers. Et puis, elle a développé un stress aigu, PTSD, donc un stress post-traumatique aigu par la suite. Et puis, donc, je me suis posé la question, comment faire face à un traumatisme psychique autant important? Et en fait, cette personne de mon entourage m'a sensibilisée sur l'aspect des proches et des témoins des victimes. Par rapport à mes objectifs personnels, le but de ce travail n'est pas de vous fournir des statistiques, mais c'était de récolter des témoignages et puis vraiment de revenir sur les ressentis, les émotions des ambulanciers, mais aussi des proches et des témoins des événements traumatisants. Tout d'abord, le stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est ? Donc le PTSD, c'est un diagnostic qui figure dans le DSM-5. Et puis, donc c'est quelque chose qui intervient, ou c'est une expérience que celle-ci laisse un impact durable dans la vie de quelqu'un, qui est parfois impossible à oublier. Suivant le vécu, l'entourage, la sensibilité ou l'histoire de vie de chacun, en fait, ça, ce sont tous des facteurs qui vont influencer la gestion psychologique d'un événement qui peut être potentiellement traumatisant. Pour pouvoir parler de PTSD, il faut que les symptômes présents ici durent plus d'un mois. Donc la perturbation de la personnalité, le repli sur soi, la dépression, l'incapacité à retrouver une vie normale, la dépendance et l'hypervigilance. Selon une étude nommée la santé mentale en population générale, les événements traumatisants les plus évoqués dans cette étude sont la mort inattendue d'un proche, être témoin de la mort ou de la blessure grave d'une personne et avoir été impliqué dans un accident de la circulation. Cette étude, elle met en évidence que ces traumatismes psychiques ont des conséquences importantes au point de vue psychologique, psychiatrique, somatique, social, relationnel, familial, professionnel et économique. Donc ça peut être une réelle préoccupation de santé publique. Par rapport à mon cadre de référence, j'ai tout d'abord cherché les profils et compétences de l'ambulancier ES en termes de communication. Et selon le détail du processus 3 du plan d'étude cadre, l'ambulancier il doit être capable d'identifier les facteurs et la teneur d'importance des demandes du patient. Il doit être capable de fixer en fonction des circonstances les priorités
Il doit faire emploi des méthodes de communication appropriées, et puis autant pour les personnes concernées et les tiers dans toutes les situations. Il doit évaluer la qualité de la communication et de la relation établie, et il doit l'adapter aux besoins. Ensuite, dans mon travail, j'ai présenté 4 études en lien avec ma problématique. La première étude, elle concerne la présence de la famille sur les lieux d'une réanimation. Et en fait, cette étude, elle démontre qu'il y a des résultats positifs en termes sur les variables psychologiques lorsque la famille et les témoins sont présents lors d'une réanimation. La fréquence des symptômes liés au PTSD ou encore à l'anxiété était significativement plus élevée parmi les membres de la famille qui n'ont pas assisté à la RCP que par rapport à ceux qui n'y ont pas participé. Pareil pour la dépression, ceci était significativement plus faible parmi les membres de la famille présents que parmi ceux qui étaient absents. Par rapport à la deuxième étude, celle-ci, elle rejoint aussi la première étude. Elle concerne aussi la présence de la famille sur les lieux de la réanimation. Et en fait, elle conclut que la présence de la famille, elle peut aider à atténuer la douleur de la mort par le sentiment d'avoir aidé à soutenir le patient lors du passage de la vie à la mort. Les résultats ont montré dans cette étude que le rôle central de la communication entre la famille et l'équipe de soins facilitait l'acceptation de la réalité de la mort pour la famille. La troisième étude, elle concernait la prise en charge ambulancière lors des cas pédiatriques. Et puis, le but était d'identifier les croyances, les attitudes et les obstacles qui étaient perçus lors d'une situation d'une intervention pédiatrique. Il y a 3 conclusions qui en ressortent. La première, c'est que dans des situations pédiatriques, bien sûr, il y a une main-d'œuvre limitée, des soins médicaux multitâches et qui peuvent entraver une communication claire avec la famille. En deuxième point, il était important de fournir un soutien émotionnel, par exemple réconforter avec empathie la famille. Et le troisième point, ils sont arrivés à la conclusion qu'il serait intéressant de proposer une personne ressource, c'est-à-dire une personne ressource pour la famille qui expliquerait tous les gestes, tous les actes médicaux qui seraient faits à l'enfant. Donc ça nécessite une personne supplémentaire et donc aussi formée. La quatrième étude, elle présentait les résultats en termes de formation et compétences psychosociales et de soutien continu. Les résultats de cette étude suggèrent des recommandations pour tout programme d'éducation et de formation sur les soins psychosociaux pour les prestataires des soins préhospitaliers. Les ambulanciers y reconnaissent dans cette étude l'importance des besoins psychosociaux et veulent en faire plus pour leurs patients. Donc ils reconnaissent leurs besoins en matière d'éducation et de soutien social. Dans cette étude aussi, ils montrent qu'ils sont motivés à se former afin de gérer mieux la détresse chez les patients, d'apaiser aussi les patients en détresse, parler aux patients mourants et dire à des proches que quelqu'un est décédé. Ainsi, d'avoir une meilleure capacité d'écoute. Les principes d'une bonne communication. Donc, tout d'abord, elle passe par une attitude verbale et non-verbale. La posture physique, comme on a appris à l'école, on sait que le fait de se mettre à la hauteur de la personne, ça peut créer un lien de confiance et une relation plus développée. La voix, le langage aussi, sont des concepts à adopter. Les mots et les attitudes à privilégier. Les étapes de la prise en charge médico-psychologique. Il est important de porter attention à chacun, par exemple en restaurant le sentiment d'identité chez la personne, en la rassurant, restaurer la personne dans ses compétences, c'est-à-dire lui redonner confiance, valoriser ce qu'elle parvient à faire, assurer une protection, que ce soit matérielle au niveau du lieu, que la personne se sente en sécurité,
une protection sensorielle, faire attention au bruit, aux odeurs, et puis une protection médiatique. Il faut aussi garantir une prise en charge globale, c'est-à-dire apporter une aide psychologique, sociale, même parfois judiciaire, et puis il faut en permanence évaluer, orienter et prévenir la personne. Le diffusing, c'est quelque chose de libre et non imposé. Ça a assuré une présence calme et rassurante. C'est rassurer les symptômes ressentis. C'est informer sur les événements, les réactions possibles. Et puis, c'est transmettre des informations sur les lieux possibles de la prise en charge. Et c'est aussi réorienter les victimes vers des structures adaptées. L'écoute, bien sûr, elle doit se faire sans jugement de valeur, sans couper la parole, et tout en respectant les silences. La reformulation, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement, c'est quelque chose qui ne doit pas être surjoué. Elle sert surtout à tisser un lien de confiance entre la personne et le professionnel. La fin de l'intervention, donc, c'est une étape cruciale que l'ambulancier doit faire attention. Donc, je parle de la fin de l'intervention, c'est quand l'ambulance quitte les lieux et laisse la famille ou les proches. Et puis, pour la famille et l'entourage, il est parfois important, même pratiquement tout le temps, de prendre congé du patient au moment de partir à l'hôpital. Et pour eux, c'est important de dire un dernier adieu ou un revoir par un regard, des mots ou un geste tendre. Donc, c'est une étape auquel l'ambulancier doit faire attention. Le débriefing psychologique, c'est un entretien plus approfondi qui peut être individuel ou collectif et qui se tient dans les jours suivant la situation critique. Les lieux de prise en charge thérapeutique, il y a les thérapies cognitives comportementales, et puis le but des thérapies cognitives comportementales, c'est de baisser significativement l'anxiété. C'est d'aller dans les détails et les souvenirs de la personne tout en étant dans un environnement rassurant. Le MDR, c'est la désensibilisation et la restructuration par les mouvements oculaires rapides. C'est le patient, en fait, il doit imaginer une scène de l'événement traumatique tout en se concentrant sur ses pensées et les réponses émotionnelles. Pendant ce temps-là, le thérapeute va faire ce mouvement autour de lui et puis le patient doit suivre son doigt. Et le but, en fait, c'est de diminuer l'anxiété par la réévocation des scènes traumatiques. Il existe des associations d'aide aux victimes qui sont donc des structures spécialisées et puis composées de professionnels qui sont gratuites. À Fribourg, il y a le CARE Team LAC, à Genève, l'AGEPSI, Police et la GIPSI, à Neuchâtel, l'Unité Neuchâteloise d'intervention psychosociale, en Valais, l'AVPU, qui est l'Association valaisanne des psychologues d'urgence, dans le canton de Vaud, l'ESU et l'ORCA, au Jura, il y a le CARE Team de Bienne qui se déplace, et au niveau national, c'est le RNAPU, c'est le Réseau National d'Aide Psychologique d'Urgence. Donc ma question de recherche, je vais vous la répéter, c'est lors d'un événement traumatisant, la prise en charge ambulancière des témoins ou proches en état de stress est-elle satisfaisante? Comment l'adapter ou l'améliorer? Pour répondre à cette question, j'ai envoyé des Google Forms à tous les ambulanciers romands. Donc le but était de récolter des témoignages, j'ai obtenu 36 témoignages. J'ai aussi envoyé, j'ai fait plutôt un appel à témoins. Et puis, j'ai récolté 19 témoignages. Et via des interviews de proches ou des personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai récolté 3 témoignages. Les ambulanciers devaient décrire dans leur questionnaire leur intervention, comment s'était-il passé. Donc, l'intervention devait avoir un lien avec les proches et les témoins des victimes. Et le plus souvent, c'était une intervention qui s'était mal passée. Ils devaient donc me décrire la prise en charge des témoins et des proches, quels avaient été les freins à une prise en charge de ces personnes et qu'est-ce qu'ils proposaient pour améliorer la prise en charge de ces personnes. La première question, c'était la raison pour laquelle la prise en charge n'avait pas été optimale. Et sur le graphique, on remarque qu'en orange, il ressort
15 ambulanciers sur 34 ont considéré que leur prise en charge n'était pas optimale lors d'une situation urgente. En bleu, 5 ambulanciers ont considéré que leur prise en charge n'était pas optimale car les proches n'ont pas pu prendre congé du patient. Et en rouge, 3 ambulanciers ont eu un problème de communication avec les proches, ce qui n'a pas rendu non plus la prise en charge optimale. Et en violet, il y a eu 2 ambulanciers qui ont vécu une situation où la langue était une barrière à une bonne communication. Une fois les réponses obtenues, j'ai décidé de classer en fonction du type d'intervention. Donc, dans les témoignages, il y a eu 12 situations qui relataient d'ACR. Et puis, en résumé, lors des ACR, comme c'est une situation d'urgence vitale, il était souvent remarqué que la prise en charge des proches et des témoins n'était pas optimale. Et parfois, il y a eu un problème de communication interprofessionnelle entre le SMUR ou la police, où les ambulanciers jugeaient qu'ils évacuaient trop précipitamment les témoins ou les proches. Et puis, si on aurait eu le point de vue du SMUR ou de la police, ils ont clairement une autre aussi approche de l'intervention. Donc là, moi, j'avais que les résultats des ambulanciers. En ce qui concerne les accidents traumatiques, il a été relevé que lors des accidents traumatiques, il y avait beaucoup de témoins et souvent beaucoup de personnes qui étaient témoins donc de l'accident. Et il manquait des ressources professionnelles. Un manque de ressources professionnelles était constaté. Lors de suicides, les ambulanciers se sentaient submergés par le contexte émotionnel lors de la prise en charge des proches. Et lors des cas pédiatriques, il a été relevé que les ambulanciers considéraient ne pas avoir les bons outils de communication pour entrer en communication des fois avec la famille ou même les enfants. Lors des interventions liées au cas Covid, la tenue de protection ne facilitait pas du tout la communication avec la famille et puis c'était une barrière conséquente. Parfois même, ça agaçait fortement la famille et ils ne comprenaient pas toujours pourquoi la tenue était utile dans certaines situations. Les ambulanciers devaient répondre à la question de « Pensez-vous avoir suffisamment de clés ou d'outils en termes de prise en charge des témoins ou proches de victimes lors d'un événement traumatisant ?» Donc, moi, j'ai choisi de faire mon questionnaire ou mon échelle de réponse sur 5. Si ça serait à faire, je la ferais sur un chiffre impair, puisque, en général, les questions ne devraient pas être sur une échelle impair, parce qu'au niveau des réponses, on met souvent des réponses au milieu, et puis ce qui peut fausser un peu le questionnaire. Et puis, par rapport à la réponse à cette question, on peut remarquer que les ambulanciers pensent avoir suffisamment de clés et d'outils dans la prise en charge de ces personnes. De manière générale, pensez-vous que la prise en charge des témoins ou des proches soit optimale pour des situations stressantes ? Donc, pareil là pour ce graphique, au milieu, j'ai obtenu beaucoup de réponses, donc notamment 14 ambulanciers qui jugent que la prise en charge est optimale. Et puis, on peut quand même remarquer une faible optimalité au niveau du point 1 et 2. Les résultats des questionnaires des témoins ou des proches de la victime, donc ils devaient me décrire succinctivement la situation, que s'était-il passé, comment s'était-il senti, comment avait-il perçu la relation que les ambulanciers ont eue avec eux, et puis s'ils pensaient que les ambulanciers devaient faire des choses différentes. En résumé, il ressort de ces résultats des témoignages très gratifiants vis-à-vis des ambulanciers, beaucoup de remerciements aussi. Et puis, en général, les proches et les témoins se sont toujours sentis considérés. Il a été quand même remarqué que l'humour, faire preuve d'humour, n'était pas toujours bien vu par les témoins et les proches. Et puis, donc des fois, elle pouvait être extrêmement, extrêmement mal perçue. Il a été aussi constaté qu'un grand nombre de personnes vivaient un PTSD
à la suite d'une intervention ambulancière et le plus souvent, le PTSD n'apparaissait chez un témoin qui n'avait pas reçu d'aide psychologique ou du moins qui n'avait pas, auquel on n'avait pas proposé une aide psychologique. Donc, les réponses à mon questionnaire sont faites par des témoins qui ont vécu une situation ambulancière, mais aussi, des fois, une situation qui s'est peut-être un peu mal passée. Donc, les questions, les réponses peuvent être donc, potentiellement un peu biaisées. La première question était, les ambulanciers vous ont-ils proposé une rencontre avec une structure psychologique ? Sur ce graphique, on peut remarquer qu'en général, la plupart du temps, il n'y a pas de proposition d'aide psychologique qui est faite, mais les 15,8% représentent 3 personnes, et ces 3 personnes, en fait, ont participé ou ont été témoins d'un ACR. Donc, à partir de ces 3 personnes, on peut dire que lors d'ACR, les aides psychologiques sont proposées plutôt régulièrement. Avez-vous souffert de PTSD à la suite de cette intervention ? En général, il n'y a pas eu de PTSD, hormis pour 6 personnes. Et sur ces 6 personnes, à une seule personne, on a proposé une aide psychologique. Trouvez-vous avoir été pris en charge de manière optimale lors de cet événement ? Les résultats montrent qu'une grande partie des témoins ou des proches ont trouvé la prise en charge optimale. Pensez-vous que l'envoi d'un questionnaire de satisfaction aux proches après l'intervention serait bénéfique afin d'améliorer les compétences ambulancières ? La plupart des personnes ont répondu oui à cette question, hormis une personne qui venait de perdre un proche. Donc on peut comprendre que cette personne n'a peut-être pas envie de répondre à un questionnaire pour se remémorer les faits de l'intervention. Par rapport aux résultats des 3 témoignages, ce qui en est ressorti, c'est que sur 2 témoignages, sur 3, il y a eu un sentiment de solitude qui a été ressenti lors du départ de l'ambulance. Et ces 2 personnes m'ont exactement parlé de cette image du fait, en fait, de voir les portes de l'ambulance se fermer et se retrouver seul comme ça dans une maison ou en pleine rue. C'était compliqué et le sentiment de solitude est apparu vraiment à ce moment-là. L'absence de nouvelles de leurs proches après l'intervention ambulancière. Parfois, ils devaient attendre donc de longues heures avant même d'avoir des nouvelles. C'est pour ça que aussi les 3 personnes m'ont dit qu'il manquait un maillon de la chaîne entre l'intervention ambulancière et le traitement des patients aux urgences. Les 3 témoignages valorisent le travail de l'ambulancier, des ambulanciers. Discussion par rapport à mon cadre de référence et les résultats que j'ai obtenus. J'ai remarqué dans les témoignages que les ambulanciers respectaient et appliquaient le processus du plan d'études, 3 du plan d'études cadre, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours dans leur tête ou dans la responsabilité de considérer les proches et les témoins. En général, ils y pensent très souvent. Je dirais qu'il faut faire attention au PTSD lors des contextes d'ACR, mais qu'il ne faut pas hésiter en fait, à proposer des soutiens psychologiques, hormis les contextes qui peuvent être traumatisants, qui peuvent être traumatisants pour certaines personnes, mais qui ne le sont pas peut-être pour des. Donc, comme je l'ai dit, chaque situation, suivant la sensibilité de chacun, est différente en fait. Les ambulanciers déclarent avoir besoin de plus d'outils permettant d'améliorer la communication, mais surtout avec les enfants. Et les ambulanciers ils se montrent favorables à se former activement aux techniques de communication afin d'améliorer la prise en charge des témoins et des proches des victimes. Par rapport à mon point de vue, pour répondre à la question de base, la prise en charge de ces personnes dans des situations d'urgence, elles sont satisfaisantes, mais il pourrait y avoir des points d'amélioration. Par exemple, déléguer la prise en charge des proches et des témoins aux ambulanciers du SMUR ou à la police, par exemple. Je pense qu'on doit collaborer plus étroitement avec ses partenaires et en tout cas ne pas hésiter à leur proposer et voir s'ils acceptent ou pas. L'ambulancier doit augmenter ses propositions d'aide psychologique aux proches et aux témoins afin de diminuer le risque de PTSD. Mes propositions d'amélioration, ce serait de déléguer la prise en charge des proches et des témoins
aux ambulanciers du SMUR, donc lui proposer, voir s'il a le temps ou s'il en est capable, mais l'ambulancier du SMUR devrait se montrer disponible pour cette tâche, ou encore la police. Il faut savoir que la police, eux, ils sont dispensés de cours obligatoires en psychologie à l'école, et ils traitent de manière conséquente des états qui peuvent résulter de situations stressantes, urgentes ou choquantes, et des cellules, et ils sont au courant des cellules psychologiques à appeler. Donc, suivant les tâches de la police, bien sûr, ils s'occupent de tout l'aspect sécuritaire, mais ça pourrait être des personnes ressources auxquelles on pourrait proposer cette tâche. La formation dans les domaines des outils de communication et de la prise en charge psychologique, il y a une chose à l'école qu'on fait et qui est intéressante, c'est qu'à la fin des interventions ou des exercices à l'école ou hors de l'école, on va toujours demander s'il y a eu des témoins ou la famille sur place, on va toujours leur demander dans le débrief comment ils se sont sentis, comment ils ont été pris en charge, et je pense que c'est une chose importante à garder. Et puis, proposer une cellule psychologique post-intervention. Dans mon travail, j'ai remarqué que les cellules psychologiques étaient engagées, mais qu'elles mettaient parfois des heures à arriver sur site. C'est pour ça que j'ai pensé, après coup, de mettre en place des débriefeurs psychologiques internes, comme par exemple un superviseur ambulancier qui serait formé en termes de psychologie et qui serait engageable à la minute, qui pourrait être comparé à l'ACS. Mais donc, il nécessite une formation supplémentaire. Il existe aussi des cartes de visite qui pourraient en fait faire le lien lorsqu'on part de l'intervention et simplement remettre cette carte à la personne. Ça peut rattacher la personne à des numéros, des adresses de contact. Et puis là, je vous propose donc la carte du service de sauvetage du Jura. D'ailleurs, je l'ai encore utilisé lundi quand j'ai travaillé. Donc voilà, je pense que c'est important que les services puissent proposer ce type de carte. Donc j'arrive au terme de ma présentation. Je voulais remercier Laurent Yampen qui était mon tuteur. Elodie, ma cousine, et Kylian pour la vérification orthographique. Christophe Bellet, un ambulancier, pour son aide et la construction de mon questionnaire. Margot Rose pour son aide bibliographique, ma sœur pour la mise en page. Et puis, bien sûr, je voulais remercier toute la volée 19-22 qui m'a beaucoup apporté, qui m'a soutenue durant ces 3 belles années. Et puis, merci pour tout. Voilà, je termine. Soyez pas timide. Une fois. Oui. Alors voilà. Merci. Cécile.